Bonjour, bonjour. Allez, re, notre nouveau rendez-vous. Forme, bien-être, le petit temps pour soi. Aujourd'hui, séance stretching. Petite séance. Hein, je pense à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Et notre objectif aujourd'hui, eh bien, c'est pour ne pas avoir mal au dos, pour ne plus avoir mal au dos. En tout cas, sachez que de toute façon, cette séance n'est pas un coup de baguette magique. Hein, il faut travailler régulièrement, donner de la mobilité, justement. C'est ça qui va aider. Mais pas y aller comme des brutes. Évidemment, si vous avez très mal, si vous êtes bloqué, c'est pas cette séance qu'il faut faire. On est d'accord, vous allez voir votre médecin, kiné, ostéo, vous validez que tout va bien. Mais une fois que c'est passé ou que ça va mieux, ouais. Allez-y, bougez. Il faut bien sûr muscler notre dos et puis nos abdos. Mais il faut aussi étirer en douceur et de la mobilité. Il faut bouger, il faut redonner du mouvement. Donc, allons-y. Voilà, tout ça. Il faut que ça marche, il faut que les fluides, ça se réhydrate, que ça se mobilise, que ça se lubrifie, hein, la machine de toute façon. Donc, il faut redonner. Ouais, on a mal. Où on a souvent mal, s'il n'y a pas de gros bobos qu'on a vérifié avant, eh ben, il faut bouger. Allez, c'est parti, youpi! Donc, enfin, ou pas youpi, hein, mais 15 minutes pour notre dos. Alors, prenez une petite largeur, relâchez vos genoux. Voilà, sentez que votre bassin descend bien. Montez les épaules et redescendez très, 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 très bas sur l'expire. Voilà, et encore. Inspire, tu montes, expire, comme si on nous tirait par les mains, comme si mes mains, mes doigts allaient toucher le sol. Et encore. Alors bien sûr, faites-le avec votre respiration, avec votre propre rythme. On n'est pas obligé d'être pile poil avec moi au même moment. Voilà, sentez que vous, cet espace déjà qui se met au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos. Relâchez vos genoux. Alors, c'est pas plié, mais c'est pas tendu. J'ai mes genoux relâchés, position naturelle. On secoue un petit peu, justement, on remobilise un genou et l'autre. Hein. Je plie, je tends, je fais des petits pliés, voilà. Pour remobiliser. Voilà, même chose au niveau des épaules. Je secoue, jetez. Allez, on chasse tout, on détend. Ouais, on enlève les tensions, une épaule et l'autre. Voilà. Restabilisez, ancrez-vous bien sur vos pieds, écartez les orteils. Voilà. Donc, largeur du bassin, on est sous les os là, hop, du bassin, des hanches. Relâchez doucement la tête. Tout ça, c'est ces petits mouvements pour justement mettre du mouvement, comme je vous disais. Faire circuler les fluides. Voilà, doucement. Alors, je fais des demi-cercles en avant. Je force pas. Je recentre. Hop, je fais des petits cercles avec mon nez. Ouais. Des fois, des cercles avec la tête, c'est trop. Mais si je dessine juste un petit cercle avec mon nez, hein, comme si j'avais un crayon au bout du nez, dans un sens et puis dans l'autre, c'est bien suffisant pour mobiliser un petit peu au niveau du cou. On va monter, on va étirer et on va relâcher. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez une serviette, un grand foulard, une ceinture de peignoir, par exemple, de judo, voilà, prenez-la. Bon, je vous les ai écrits hein, en petite dessous la vidéo. Donc, normalement, vous avez préparé ça, mais sinon, allez chercher ça. Je vais mettre mes mains au niveau de l'aine. On va travailler le bassin parce que le dos, c'est grand. Hein. Ça va de haut en bas. Donc, on va travailler un petit peu différents étages. Et le premier étage, c'est mon bassin. Je vais travailler la bascule du bassin. Alors, sans forcer le cambré, mais hop, je bascule. Alors, même chose. C'est vraiment, je monte mon pubis, hein, l'os du pubis en avant. Et là, c'est mon coccyx, mais comme si je tirais en arrière, comme si j'avais une queue de chat. Ouais. Donc en avant, en arrière. Il faut imaginer votre bassin, c'est une coupelle, une coupe remplie d'eau. Donc un coup, je verse l'eau en avant, un coup, je verse l'eau en arrière, un coup en avant, un coup en arrière. Sans forcer. Et là, au-dessus, on est tenu, on est étiré. On a mis de l'espace. Alors ça doit être agréable, ça ne doit pas forcer. Restabiliser, on va faire la même chose, ma coupelle, hop, je verse toute l'eau d'un côté, toute l'eau de l'autre. Mes genoux sont fléchis, c'est juste le fait
de tendre plus une jambe ou de plier plus l'autre, qui permet cette mobilité-là. Vous voyez si vous êtes rouillé ou pas, sinon, hop, vous filez sur les cours de danse orientale. En général, les danseuses orientales, hein, elles n'ont pas de problème. Je le dis parce que moi, mes petites danseuses, je leur fais bosser tout ça. Donc, il faut avoir cette mobilité du bas du dos, du bassin, toute la région des lombaires. Hein? Sacrum, tout ça, il faut que ça soit mobile, il faut que ça soit fluide. Donc, un genou et l'autre. Et toujours là, j'étire. Voilà, cherchez cette mobilité-là du bassin. Voilà, à nouveau avant-arrière pour trouver le juste milieu. Donc, je tire vraiment vers le bas. Voilà. Et puis, je vais faire comme si j'enlevais un pull. Alors, je vais me taire parce que le micro, ça va être très pénible. Je croise les bras. Et je fais vraiment le mouvement, hop, comme si on retire un pull. Et j'étire. Allez, plusieurs fois. Voilà, toujours genou plié. Hein. Croisez bien. Encore. Je ne passe pas toujours le même bras. On va rester croisé devant. Et puis on tournera légèrement d'un côté. On est plus sur un travail au niveau des omoplates. Croisez l'autre bras par-dessus et même chose, vous allez chercher d'un côté, de l'autre. Voilà. Et là, on prend notre sangle ou notre serviette ou notre foulard. Ta-da-da. Je le passe dans le dos. Ouais. Et puis je vais pousser mes omoplates en arrière. Alors je tire un peu sur mon foulard, ma serviette. Et je fais dos rond du haut, pas du bas. Et je reviens. Et encore, je pousse mes omoplates. Le fait d'avoir votre serviette ou votre sangle, ça vous permet de bien sentir ce que vous repoussez. Là, c'est là. Et encore une fois, je pousse en arrière. Je vais chercher en arrière. Alors moi, comme ma sangle est grande, je vais tourner. Comme ça, ça m'attache les poignets. Inversion menotte. Et comme ça, je n'ai pas d'effort à faire plus que ça. Toujours genou plié. Et puis, vous allez monter un peu. Alors là, on ouvre l'avant du corps. Mais le dos, ça va avec l'opposé, avec l'avant du corps. Donc, l'ouverture des omoplates. Voilà. Donc, je fais attention de ne pas cambrer. Je monte où je peux. J'écarte mes bras, mon tissu. Ma serviette, ma ceinture, tout ça s'est tendu. Je relâche encore, je fais une troisième fois. Je fais attention de ne pas cambrer, hein. On n'a pas relâché là. Hop. Voilà, je déroule un petit peu. Je vous tourne le dos parce que je pense que vous verrez mieux. Genou plié, je vais monter un bras. J'ai plié, voilà. Alors je tends mon bras en haut, je tire vers le talon. Vers le plafond, n'importe quoi. Là, je tire vers le sol. Voilà, pas plus que ça. Et puis, je vais tendre ma jambe du côté du bras qui est en l'air. Donc là, moi, c'est mon bras droit qui est en l'air. Donc, je vais tendre ma jambe droite. Et je tire là. Et je vais vraiment vers le plafond. Et j'incline mon corps un petit peu. Je replie mon genou droit. Donc, la gauche, il n'a pas bougé. Il est plié. Et encore, je tends. Et je replie. Et encore, hop, je tends. Je replie. Quand je replie, j'imagine vraiment quelqu'un me tire la hanche vers le sol. Voilà, je relâche. Alors bien sûr, vous pouvez le faire sans sangle, hein, sans serviette. Donc je tire, déjà je me grandis, je fais attention de ne pas cambrer. Je tends ma jambe. Voilà, du côté. Et je reviens. Et encore, je monte, cette mobilité toujours du bas du dos. Et je reviens et j'étire. Alors si je veux incliner un peu le corps, je peux. Je tends, je replie, continuez. Moi j'enlève la serviette pour vous montrer qu'on peut le faire aussi sans. Voilà, recentrez bien. Relâchez dos rond, pliez vos jambes, je reviens. Et posez vos mains sur vos cuisses. Voilà, et là je vais tirer loin derrière, dégager mes épaules, voilà, et tirer, presque comme si vous vouliez cambrer, ouais, toujours cette bascule, mais rentrez la tête,
Et puis j'expire, je pousse le bassin en avant. Là, toute cette zone, je l'allonge. Mais je suis en appui sur mes cuisses hein, pour protéger tout ça, pour sécuriser. Et je reviens. Youpi, qui c'est qui m'appelle? On continue. Hein. Et on revient. Allez, continuez. Je suis désolée. Hein. C'est pas le moment. Ouais. On est en direct différé. Et je reviens donc là. Dégagez vos épaules. Étirez votre dos. Rentrez la tête. Relâchez jusqu'en bas, accrochez vos coudes, relâchez bien votre tête. Voilà, secouez, détendez. Relâchez vos bras, détendez tout. Et remontez tout doucement. Alors, toujours, même chose, si vous avez mal au dos, vous remontez en vous aidant, en prenant appui. Hein. Tout dépend d'où on part. Ça va? Tout va bien? Alors, on va passer à quatre pattes. Suite, je descends ma caméra. Ouais, c'est bon. Donc, à quatre pattes. Voilà, les mains bien à plat. Je tire donc toujours à la base mon coccyx loin derrière. Et puis à nouveau, je vais faire le dos rond. Donc, je pousse vraiment le bassin en avant. Je rentre la tête. J'essaie d'ouvrir au niveau des omoplates. Dos plat, je tire loin derrière. Voilà, j'avale mon ventre. Je vais ouvrir mon bras. Alors, je fais comme je peux. Comme je peux, comme je peux. Peu importe, mon bassin peut tourner légèrement, je laisse faire. Et puis, je vais passer sous le tunnel, là, sous le pont. Mon bras peut se plier, celui qui en appuie. Et je peux poser mon épaule. Ma tête se posera que si mon épaule et mon bras sont posés. Hein. Ce n'est pas ma tête qui retient tout le poids du corps. Et restez un petit peu. Votre bras là, il est plié. Les fesses, elles sont vers le plafond. Vous revenez. Reprenez. Au besoin, à nouveau, j'arrondis. Je repasse sur un dos plat. J'ouvre de l'autre côté comme je peux. Ça peut être bras tendu, ça peut être bras plié. Vous pouvez ouvrir que le coude et avoir la main à l'épaule. Ça marche aussi. Et puis je passe dessous. Je plie dessous. Je vais chercher. Je pose si je peux. Si je peux pas, eh ben je peux pas. Alors n'hésitez pas, si ces mouvements vous font du bien, vous recommencez. Voilà, je repasse en arrière. Je repasse en haut, on va dire aussi, souvent, quand on a mal au dos. Bon là, on n'était plus sur le haut du dos. Hein. Mais en bas, c'est un problème au niveau du psoas. Après, vous vérifiez tout ça, hein, si vous êtes vraiment bloqué avec votre médecin, votre kiné. Moi, je ne peux pas à distance avoir, mais c'est quand même quelques petites clés. Le psoas, parce qu'il s'accroche derrière. Niveau du bas du dos, qui traverse le corps pour venir devant. Et s'il est bloqué, et ben ça tire, ça tient tout, ça bloque tout. Donc c'était cette petite bascule du bassin. Là, hop, je bascule à nouveau comme on a fait debout et je reviens. Je le fais une deuxième fois, alors sans m'affaisser, hein, toujours en me grandissant. Voilà. Restez. On va étirer un petit peu plus le bas du dos. Alors oui, ça va étirer l'arrière des jambes, mais c'est pas ce qu'on recherche le plus. Je prends ma sangle préférée, mon pied flex, de façon à passer mon pied, voilà, mon foulard dessous. Et je vais m'incliner dos plat. Alors le but, c'est pas de descendre très bas, c'est pas d'étirer les ischios jambiers. Donc je vais écarter mes bras, les plier. Et l'idée, c'est d'être dos plat. Et de sentir vraiment que je sors les fesses. Sentir qu'au niveau du bassin, au niveau de mon ischion, pardon, ça sort. Donc j'ouvre et je plie mes coudes. Et je pousse le sternum en avant. Juste ça. Si ça vous tire trop sur la jambe, vous pliez un peu. Pas de souci. Vous restez quelques respirations et si ça vous fait du bien de relâcher pour mieux vous replacer, j'écarte et je plie mes coudes et mon corps s'incline, ce qui peut s'incliner.
Donc le but, c'est pas non plus d'étirer trop au niveau du mollet, trop au niveau de la jambe. Ah, là, on recherche toute cette mobilité, retrouver cette mobilité du dos. On va pas dire souplesse, hein, pas tout de suite. Alors je sais que certains peuvent aller plus loin, ne vous gênez pas. Pliez l'autre jambe, bassin bien face. À nouveau, la bascule en avant, légèrement arrière. Bien, oui, tac, je passe, je plie ma jambe si vraiment je manque de souplesse. Voilà, j'écarte mes coudes, enfin mes bras, et puis je plie mes coudes et j'incline légèrement en avant. Et j'essaie d'avoir déjà un beau dos plat, des épaules bien basses, des omoplates étirées. Vous voyez où vous pouvez aller, vous ne forcez pas, vous restez ou vous relâchez pour mieux vous replacer et rester quelques respirations. Sentez que ça doit tirer, ça doit basculer là. Allez, je tire ma main derrière. Ça y est, de toute façon, on arrive au bout là. C'est quelques petits exercices clés. Hein, le but, c'est pas non plus là de s'assouplir. Vous irez pas comme contorsionniste au cirque de Pékin la semaine prochaine avec ces mouvements. Mais c'était pas l'objectif, ça tombe bien. Voilà. Et si on n'a pas de problème de dos, si on n'a pas mal au dos, et bien faites ces mouvements. C'est justement parce qu'on a de la souplesse, de la mobilité dans notre dos, qu'on n'a pas de problème, donc il faut continuer à entretenir. Moi, j'ai pas mal au dos et pourtant j'adore faire ces mouvements. Voilà, revenez un dernier. J'avancerai plus ma jambe, toujours pour étirer l'avant et le psoas. Donc je vais aller chercher très beaucoup plus, ouais, en avant. N'hésitez pas à mettre sous votre genou un coussin, quelque chose de moelleux, hein. Relever la rotule au besoin. Voilà, juste ça, j'essaie d'ouvrir l'avant du corps. Voilà, je pose mes mains à tout ça, c'est évidemment si c'est confortable. Je suis en appui sur ma cuisse et si je peux rajouter l'ouverture de l'avant du corps, mais c'est l'idée, c'est pas de cambrer, c'est comme si on me tirait par la main. Et là, je pousse en avant ma hanche. Voilà, pas forcément longtemps. Adapté, si vous êtes bien, vous refaites. L'autre côté, donc j'avance mon pied, il n'est pas sous mon genou, même à l'intérieur du genou, il est même en avant. Puisque je vais aller basculer en avant. Moi, je pose ma main au sol pour replacer ma rotule, parce que je n'ai pas de tapis, que ce n'était pas confortable. Et j'y vais par étapes. Donc, premier temps, j'avance mon bassin. Je vois si je peux rester. Si c'est suffisant, je reste là. Et sinon, j'étire encore plus. Oh, je mets de l'espace. Je sens que ça allonge aussi à l'avant du corps. L'idée, c'est de mettre de l'espace et de pousser vos hanches, votre bassin en avant. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vous fais même pas aller au sol allongé. Je me le garde pour une autre séance, d'autres séances. Je sais que des fois, quand on a mal au dos, c'est même compliqué d'aller au sol, encore plus compliqué de remonter. Donc, on ne descend pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà. Appuie sur une cuisse avec les mains. Hop, je replace l'autre. Je remonte. Je suis hors cadre. Prenez le temps de remonter, de vous étirer un peu. Encore comme si vous... Ah, on baille, hein. Dans tous les sens, dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, relâchez. Moi, mission accomplie. Version courte, mais efficace. Ouais. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est pour prendre soin de vous. Je sais que certains n'ont pas beaucoup de temps. Je dédicace vraiment, je cible cette séance pour un certain Christophe, un certain Laurent, un certain Bruno, qui souvent disent... J'ai mal au dos et qu'ils ne font plus rien. C'est pour vous cette séance. Enfin, aussi pour tous les autres. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de matinée, de ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve très vite, en tout cas avec grand plaisir, pour des petites capsules comme ça, courtes, mais efficaces. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous passiez un bon moment et que vous preniez soin de vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Ciao, ciao.